Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on fait un gâteau au yaourt et aux myrtilles. Vraiment un gâteau bien moyeux et presque comme un flan dans la texture. D'abord, il faut fouetter du sucre avec des œufs jusqu'à un mélange blanchi. Après, il faut prendre une demi-litre de yaourt neutre qu'il faut juste fouetter dans le mélange. Le yaourt va vraiment rendre ce gâteau bien moyeux. Ajoutez alors de la farine avec de la levure chimique jusqu'en tamissant. Ajoutez une pincée de sel et intégrez avec le fouet. C'est une pâte très facile à faire, cette pâte. Voilà, après il faut ajouter du beurre fondu. Ici on l'a juste fait fondre dans le micro-ondes, très facile. Et il faut juste bien intégrer le beurre. On utilise toujours du beurre salé, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser du beurre doux et peut-être ajouter un peu plus de sel dans votre pâte. Ici, on a des myrtilles fraîches qui sont lavées. Et on va juste ajouter un peu de farine aux myrtilles pour qu'elles puissent plus facilement se placer dans la pâte. En fait, on va avoir un résultat meilleur avec la farine. Comme ça, les myrtilles vont être bien dispersées dans le gâteau. Ici, on prend un moule à manquer. On met du papier cuisson. Et il faut juste beurrer les côtés et un peu le fond. Ajoutez ensuite la pâte au moule. D'abord, il faut donner 15 minutes à 200 degrés dans le four. Et après, baisser le feu à 160 degrés Celsius et donner encore 45 minutes. Le résultat, c'est un gâteau qui est bien doré au-dessus et vraiment une texture moyeuse et un peu comme un flan, comme j'ai déjà dit. Mais ici, c'était vraiment quand le gâteau était toujours chaud. Et là, on a une consistance un petit peu différente que quand le gâteau a complètement refroidi. C'est sûr que pour avoir le vrai résultat, il faut attendre que le gâteau a refroidi et on va avoir un gâteau plus solide, comme vous pouvez vous imaginer. Voilà. On va vous montrer aussi le gâteau froid. Ici, vous voyez que le morceau que l'on peut couper, c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus un peu comme un flan. Voilà. C'est un très bon résultat, vraiment un très bon gâteau. Vous pouvez même échanger les myrtilles pour des morceaux de poire, si vous voulez. Merci d'avoir regardé MTB Cooking aujourd'hui. À la prochaine fois et salut!